le plaisir de présenter au sein de la faculté de pharmacie de l'UMC-CSS les ateliers bien-être. Et l'idée de ces ateliers est venue tout simplement du fait que, d'une façon générale, quelqu'un qui se sent bien au sein de son milieu de travail, c'est quelqu'un qui va pouvoir plus donner, qui va être plus épanoui dans son milieu de travail, qui sera bien sûr beaucoup plus productif, beaucoup plus intéressé et intéressant. Alors donc, ces ateliers sont centrés sur la personne, c'est-à-dire que finalement, ça va être aussi bien des ateliers qui vont parler de communication, de bien-être avec soi-même grâce à des exercices de méditation ou d'auto-hypnose, ou encore des exercices de team building, des jeux de team building qui permettent vraiment d'augmenter la cohérence du groupe, aussi bien que le bien-être de la personne en tant que personne tout simplement, ce qui leur permettra d'être plus épanouis, d'être plus assertifs dans leur communication, dans leurs relations d'une manière générale. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir bénéficié de cette formation de gestion de stress que nous a offert notre faculté de pharmacie à l'Université Mohamed VI de Sciences de la Santé. Même si c'était une seule journée, j'ai pu apprendre énormément de choses par rapport à moi-même et mon comportement au niveau professionnel et aussi au niveau personnel. Nous avons l'habitude d'organiser des journées portes ouvertes. Cette fois-ci, c'était plutôt une journée cœur ouvert, une expérience qui a apporté beaucoup de réponses à mes questions pour une meilleure compréhension et analyse de ma personne, une remise en question professionnelle et personnelle qui a certainement pour objectif l'amélioration et le développement de notre comportement et notre quotidien. Ce que j'ai apprécié le plus dans cette expérience, c'est la qualité de l'écoute de Madame Nada Ezzozi, certainement ses compétences professionnelles, mais surtout sa bonne humeur et sa positivité contagieuse. Alors c'est vraiment en réponse à des problématiques quotidiennes que viennent s'insérer ces ateliers du bien-être. C'est surtout pour répondre justement à des problématiques de stress au travail, de relations conflictuelles au travail et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment fait pour booster les équipes et pour réaliser leur plein potentiel dans un cadre à la fois agréable, mais en même temps un peu studieux quand même. On va prendre des outils qui sont réalisables dans la vie de tous les jours.